moment, quand elle n'est pas dans le stade, elle est devant la télé. Et je me rappelle de. C'était semi-marathon, là, au pays arabe, là, à 4h du matin, je crois. J'étais complètement tremblante, très mal au ventre, j'arrive pas à regarder. Quoi. Et petit à petit, je vois qu'il est devant, je regarde un petit peu, puis après, bah, on fait ça, au moins un petit porto à 5h du matin. Un soulagement, c'est tout le travail qui paye. On revoit ça en quelques secondes et on se dit, ah, c'est enfin quoi, enfin on l'a fait. C'est pas qu'il fasse un record, moi ça m'est égal, mais que lui soit content de lui, même sans faire de record, mais qu'il soit content de sa course. Ouais, c'est une joie qui dure pour chez moi jamais très longtemps parce que je suis content, mais je m'attarde pas sur ce résultat. Je veux très vite aller au niveau supérieur, très vite je me dis, faut que je fasse moins de 27, faut que j'aille chercher les gars devant. Et c'est ça, c'est ma personnalité, donc toujours aller plus loin. Quand il voit qu'il réalise, il se rapproche de son rêve et qu'il fait des bons résultats, que, pas forcément être le premier, mais faire des bons résultats, et là il est tellement joyeux, mais rarement, il est content, mais rarement très content. Le paysage, ça fait partie de Saint-Moritz, c'est toujours cool. Moi j'adore être ici plutôt qu'à Genève. Je l'ai toujours dit, les villes, c'est pas trop mon truc. Donc ici, avec la nature, la forêt, les lacs et tout ça, ça c'est ce qu'il me faut pour m'entraîner dans de bonnes conditions et me sentir à l'aise. Voilà Eaton, Saint-Moritz. De temps en temps, il est à Genève, mais très rarement. Il ne sent pas bien à Genève parce qu'il ne peut pas s'entraîner comme il faut. C'est la ville, il y a tout le monde qui vient lui mettre le grappin dessus. Il est stressé pour tout. Quoi. Il y avait mon père aussi il y a quelques semaines. Ils aiment bien venir aussi me rendre visite quand ils peuvent parce que je ne suis pas souvent à Genève. Et Saint-Moritz, c'est pas si loin, c'est un peu moins loin qu'Itaine en tout cas. Donc c'est toujours une bonne occasion de les voir. On mange ensemble, on se voit, on va se faire une petite balade à Itaine. Il prend le temps vraiment de venir se promener. On va voir le parc aux girafes, on va voir des choses. Il est vraiment, vraiment chouette. Ils aiment bien venir voir les entraînements s'ils peuvent. Après, c'est compliqué. Si je ne fais pas de la piste, c'est compliqué à suivre ou à vélo. Mon père, il était venu quelques fois à vélo. Et sinon, ouais, on essaie de se voir le maximum pour les repas et peut-être aller faire un petit tour en haut des montagnes si j'ai une après-midi de pause. Très content de lui. La dernière fois que j'ai entendu, c'était à Lucerne, je crois. Vraiment très content. Pour le moment, une course où je finis 10e, ça me fait presque autant plaisir que si je finis devant sur la route parce que je viens de loin en fait. Sur la piste, je viens de très loin. J'ai eu des courses où je finissais à la rue quoi, par rapport à ce que je valais, je pense. Et pour l'instant, je ne me contente pas de ça, mais je suis vraiment content. Et évidemment que je vais aller chercher les victoires maintenant, c'est sûr. La grosse différence par rapport à l'année passée, c'est la confiance. À un moment, je me suis dit, bon, j'en ai marre de faire des saisons pourries sur la piste. Après, j'ai eu un hiver parfait, quoi. Enfin, un hiver super avec des records sur records. Et ça m'a mis tellement en confiance que je me suis dit sur la route, quand j'arrive sur la piste, maintenant, il n'y a plus d'excuses. J'y vais et je prends la même chose, la même confiance que j'ai sur la route. Et j'y vais, je me pose pas de questions et je pense que c'est ça qui a changé. Je cours principalement pour moi-même, pour me prouver à moi-même que ce que je peux faire. Mais après, c'est sûr que ça ajoute un petit plus quand je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas arrêté de critiquer depuis que je fais de la piste et que ça marche pas et que voilà, je peux leur prouver qu'ils avaient tort. Et j'espère leur prouver encore beaucoup plus ces prochains mois, ces prochaines saisons. Elle est là de toute façon. Après, moi je pense que sur les longues distances, c'est à celui qui sait la gérer au mieux, l'accepter et la dominer. Parce qu'à un moment, quand il te reste 10 kills d'un semi et que t'es déjà à moitié cuit, bah,
Tu peux toujours continuer, je pense que ton corps il est capable, mais il faut que ta tête dise à ton corps, ah là, vas-y, c'est pas grave, n'aie pas peur et continue. Bah, lui-même a fait de la musique, il a vu ce que c'était le travail de musicien, le mental, l'acharnement. La musique c'est comme ça, hein. Si on veut arriver, il faut travailler, il faut avoir le mental, il faut faire des concours. Donc je pense que Julien a hérité un peu de ça. Il jouait très très bien. Jusqu'à l'âge de 18 ans, il a fait son examen de matu. Et le lendemain, il a posé son violoncelle et dit non, ce n'est pas ma passion, j'arrête. Bah, c'est vrai que l'athlétisme, tout dépend du corps, du bien-être, de la façon dont il mange, de la façon dont il s'entraîne, la récupération, tout ça, c'est très très important. 8 fois 2, 1, 10 fois 1, 1, 10 fois 30, 30. Total 57 minutes 3 à 3,07. Et il y a eu une période, je dirais vers 15-16 ans, où là, il malmenait un peu son corps, il ne mangeait pas assez, il en voulait trop, puis du coup, il se blessait. Mais maintenant, depuis qu'il mange mieux, qu'il fait de la musculation, tout ça, ça va beaucoup mieux. Ah ouais, c'est vrai que tout le monde me demande des photos avec lui, mais c'est vrai. Ça semble naturel, parce que depuis l'âge de 6 ans qu'il court, puis il a fait ça toute sa vie, donc on se prend pas la tête, c'est super pour lui, on est content pour lui. Puis, bah oui, des fois je le vois à la télé, je savais pas, donc ça me fait bizarre, mais c'est super. Une fois il m'a fait une réflexion, il m'a dit « Maman, il faut que j'apprenne bien l'anglais, parce que plus tard quand je serai interviewée, il faudra que je parle anglais. » Donc moi j'ai un petit peu ri sur le moment, puis je me rends compte, bah voilà, ça se réalise. Il parle plus à l'interview. Il parlait très peu, mais tout d'un coup, il nous faisait des. Il parlait sans arrêt, il nous racontait tout, puis après, c'était fini. Et... Enfin, ça dépendait des moments. S'il était vraiment en forme, voilà, il nous racontait plein de trucs. Mais maintenant, ça va mieux. Bah, la plupart des commentaires, je les vois parce que c'est sur soit mes publications, soit celles de l'ATLCH ou des pages que je suis. Donc souvent je les vois, mais maintenant je réagis plus parce que j'ai réagi par le passé et ça mène à rien parce que ces gens-là ils sont convaincus et de toute façon quoi qu'on dise, quoi qu'on leur prouve, ils vont de toute façon penser ça. C'est pas des gens qui croient en notre sport, donc faut pas s'attarder et puis faut passer au-dessus. When I'm the marathon, we're all excited. When? Tell us when. I got to go on the two and then. I will try to break his record. Yeah. I like it. Participer au Ineos Project, c'est de nouveau une super opportunité pour moi de faire partie de l'histoire un petit peu. Je pense que ce sera à nouveau quelque chose qu'il faudra prendre comme bagage pour la suite de ma carrière. Le marathon, c'est dans mes plans, comme toujours. Et pourquoi pas, moi, un jour, passer sous les 2 heures. En tout cas, Kipchoge, c'est une belle inspiration. Et je pense que tout le monde peut que s'en inspirer. On ne peut pas changer ce que font les autres. Par contre, on peut vachement changer ce qu'on peut faire soi-même. Donc ça, c'est... Moi, je vais me donner à fond jusqu'à Doha, à l'entraînement, et je vais arriver le plus près possible.